En Tunisie, Rached Ranouchi a entamé une grève de la faim. Le chef du parti islamiste Ennahda est en prison depuis avril 2023. En refusant de se nourrir, il entend ainsi soutenir les autres figures de l'opposition derrière les barreaux. À Tunis, les précisions de Lilia Blaise pour France 24. Selon le communiqué du parti islamiste Ennahda, c'est une grève de la faim qui vient en solidarité avec celle de 5 autres détenus, des figures politiques qui sont en grève de la faim depuis plus d'une semaine. À 82 ans, Rached Ranouchi, leader du parti islamiste Ennahda, s'est joint à cette grève, notamment pour contester son emprisonnement depuis avril dernier dans le cadre d'une affaire d'apologie du terrorisme, mais aussi en février dernier, il a été condamné à 3 ans de prison de plus dans le cadre d'une affaire de financement étranger illégal de son parti, ainsi qu'une amende de plus d'1 million d'euros. Alors pour les 5 autres détenus qui sont accusés de complot contre la sûreté de l'État, cette méthode de protestation, la grève de la faim, a déjà été utilisée l'année dernière par plusieurs d'entre eux pour protester contre leur situation, mais aussi pour réclamer un procès. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas eu. Leurs avocats dénonce des dossiers vides et un acharnement politique à leur encontre pour leur prise de position contre le président Kais Saied.